Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon bilan après 6 mois de lecture en 2022. Donc je vais moi aussi répondre aux questions du tag. Oh, je ne sais plus comment s'appelle ce tag, mais de toute façon, moi j'ai changé le tag parce qu'il y a des questions qui ne m'intéressent pas. Et j'avais envie d'en rajouter d'autres, et j'ai changé l'ordre, et j'ai tout fait à ma sauce, j'ai bidouillé, c'est pas grave. Je vais commencer non pas par la question qui en général est les 3 meilleures lectures de l'année 2022 pour le moment, parce que je trouve que ça casse un peu le suspense de commencer tout de suite par ce qui a été extraordinaire. Je vais commencer par contre par mon éclairage qui part en cacahuète. On va vous mettre un truc un peu plus stable. Stable, je ne sais pas, mais plus sombre, ça c'est clair. Alors, la première question du coup, c'est la meilleure suite de saga. Alors oui, je commence par cette question-là, parce que voilà, je lis pas tellement de saga, moi, en roman. Et c'est plutôt en graphique, du coup, j'avais envie de vous montrer quelque chose que vous avez déjà vu 1000 fois. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est un peu le concept de cette vidéo, c'est de vous présenter des trucs... donc je vous ai déjà parlé ces 6 derniers mois, donc voilà, si vous venez d'arriver sur la chaîne, peut-être que vous allez découvrir des choses. Si vous connaissez les vidéos par cœur, enfin que vous avez tout vu ou la plupart, ben il n'y a pas de choses hyper surprenantes. La meilleure suite de saga pour moi cette année, c'est Les Liens de Sang. Les Liens du Sang, plus exactement, de Shuzo Oshimi. C'est une petite saga de manga que j'avais commencé l'année dernière, qui faisait partie d'ailleurs de mes meilleures lectures de l'année dernière. C'est une saga dont l'atmosphère devient de plus en plus pesante au fur et à mesure des tomes. Et je trouve que la suite s'assombrit de plus en plus et on a cette tension qui grandit, je trouve. Il ne se passe pas énormément de choses dans chaque tome, mais justement, c'est cette lenteur un peu stressante qui est très efficace et je trouve effectivement que la suite est tout aussi bien, voire mieux que le début. Pour le résumer, pour ceux qui ne savent pas, on va suivre une petite famille, un jeune garçon qui vit avec ses parents, le jeune garçon a 12-13 ans, quelque chose comme ça. Il va au lycée, on voit un peu sa vie tous les jours au lycée et on voit aussi sa relation très particulière avec sa maman. Sa maman qui est toujours aux petits soins pour lui, voire aux grands soins pour lui, enfin qui est toujours derrière lui quoi, elle est tout le temps là cette maman. Et une des premières scènes où on rencontre cette maman, c'est quand elle ouvre la chambre pour aller dire bonjour à son fils et un gros plan sur cette maman et quelque chose d'un peu oppressant. Et effectivement la présence de cette maman est très malsaine dans toute cette histoire. C'est très étrange la manière dont elle conçoit sa relation avec son fils et c'est de plus en plus malsain au fur et à mesure de la lecture. Et donc c'est un peu ça le résumé. Il se passe quelque chose à la fin du premier tome, hein, quelque chose d'un peu dramatique que je vous laisse évidemment découvrir. Et voilà pour cette saga. Alors, on nous demande le dernier livre acheté ou SP reçu. Du coup, je vais vous montrer le dernier que j'ai acheté et le dernier que j'ai reçu. Alors le dernier, c'est un de chez 404 éditions, il s'agit de Bayouk de Justine Niogret. Il m'avait proposé, il me semble, ce livre, j'avais un petit peu zappé la sortie de cette lecture. Ici, on va parler d'une malédiction, je vous en ai parlé, il me semble, dans la dernière vidéo, d'une malédiction, d'une histoire de pirate, une jeune fille maudite pour les crimes de sa mère. Je sais pas trop, je sais qu'on est dans du jeunesse. Moi, le dernier 404 édition que j'avais découvert, je l'avais trouvé très original, très intéressant. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais je me souviens que l'histoire d'Olympe Vaolaise, il me semble, m'avait beaucoup plu. Et donc, j'espère retrouver cette petite touche d'originalité dans ce Bayouk de Justine Niogret. Et le dernier livre acheté, c'est une précommande. Alors c'est là que je me rends compte quand même que j'ai plus acheté de livres depuis un moment, enfin à mon échelle, hein. Mais de toute façon je vous avais parlé du fait que je pouvais pas trop en acheter en juillet-août, donc c'est pas plus mal. Juillet ou septembre. Ben écoutez, le dernier livre que j'ai acheté, c'est donc une précommande qui est sortie le 20 juin, quelque chose comme ça. C'est arrivé là, il y a quelques jours. C'est Murmures de l'océan d'Ophélie Duchemin. Il s'agit de la réécriture de La Petite Sirène, version Ophélie Duchemin. Elle avait fait également Rose éternelle, qui est une lecture qui m'avait bien plu ces dernières semaines. C'est un des derniers romans que j'ai réussi à terminer dernièrement et j'ai vraiment bien apprécié cette lecture, malgré ses petits défauts, et j'avais hâte de découvrir la réécriture de La Petite Sirène, parce que si je n'aime pas La Belle et la Bête dont est inspirée Rose éternelle, par contre La Petite Sirène, j'aime beaucoup cette histoire et donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui est fait avec cette histoire. Et en plus il est dédicacé avec un petit dessin de l'autrice, enfin, c'est vraiment chouette.
Voilà pour celui-là. Alors, dans les questions, on a ma plus grosse surprise. Alors, je peux vous dire, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai un peu galéré en fait, je vous l'avoue pour ce tag, mais la question, ma plus grosse surprise, je peux clairement vous dire. Alors, ma surprise aussi, c'est que je ne sais vraiment pas où je l'ai foutu, ça, c'est pas une surprise. Je ne sais pas où j'ai mis ce livre, mais c'est pas grave, c'est Ma Belle de Camille Ansaume, je vous le mets là. Ça a été vraiment une surprise parce que quand ils me l'ont proposé chez Calman Levy, je pensais qu'on allait être dans quelque chose de très humoristique, de très second degré. Et en fait, quand je l'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que de l'humour, qu'il y avait quelque chose de très profond, de très engagé, de très abouti dans cette lecture. Donc, Ma Belle de Camille Ansaume parlait du rôle de la belle-mère. Donc, c'était vraiment l'histoire de la belle. Comment ça s'appelle? Blanche-Neige, il me semble, ou la Belle au Bois Dormant? Avec la pomme. Blanche-Neige, non? Je sais plus, bref. Non, je crois que c'était Blanche-Neige, des réécritures du conte de Blanche-Neige, version hyper moderne. Et j'ai beaucoup aimé la modernité de cette lecture, j'ai beaucoup aimé le rôle de la belle-mère, la manière dont on parle de la belle-mère dans ce livre. C'est très rarement abordé, je trouve tous les sentiments que peuvent avoir la belle-mère quand elle arrive dans une nouvelle famille. Donc là, elle va se mettre en couple avec un homme qui a une jeune fille, qui a une fille de je sais plus trop quel âge, 10 ans, puis elle grandit. Et ça se passe pas hyper bien avec la belle-fille et on voit tout ce que ressent cette belle-mère. Et j'ai trouvé ce point de vue vraiment intéressant parce qu'on le voit pas souvent. On voit souvent le point de vue de la belle-fille, mais la belle-mère, on voit jamais ses sentiments, on voit jamais ce qu'elle peut vivre quand elle arrive dans une nouvelle famille. C'était très bien fait, et non seulement il y avait ce côté-là, mais il y avait aussi tout cet engagement de l'autrice, de ce personnage qui au début est un peu mollassonne, qui réagit pas toujours de la bonne façon, mais est-ce que j'aurais réagi mieux? Je ne pense pas, mais qui est un peu mollassonne et qui puis petit à petit commence à se poser des questions et commence à se dire, mais en fait, moi je vais réagir à certaines choses, et elle réagit et c'est très flou ce que je vous dis, mais en gros, c'était hyper engagé, c'était très important comme lecture, j'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi fort et j'ai vraiment beaucoup aimé, tout en gardant cette petite légèreté, enfin voilà, un petit mélange comme ça d'émotions, parce que j'ai même pleuré, je crois, dans ce livre, du coup ça répond à une autre question, j'ai même pleuré, il me semble, dans ce livre, beaucoup d'émotions, d'humour, mais aussi d'engagement. Ma plus grosse déception, j'en ai plusieurs. J'ai notamment Quand saignent les louves de Stéphane Girard. Je ne sais même pas où j'ai mis ce livre. Alors, de toute façon, je ne sais jamais où je mets les livres. En fait, je sais où il est. Il est dans mon bac à chroniquer. Parce que je suis à la bourre dans toutes mes chroniques. Et effectivement, tous les livres que je cherche sont dans ce bac à chroniquer. Est-ce que j'ai envie de me lever pour aller le chercher? Oui, Isabelle, tu vas te lever. Voilà, Quand saignent les louves de Stéphane Girard, ça a été un peu, enfin, une grosse déception. Je m'attendais à passer un super moment, mais vraiment. On était sur une enquête très farfelue, la mort d'un jeune adolescent, et on se posait des questions sur la mort de cet adolescent, on s'est demandé pourquoi est-ce que cet adolescent se suicide, et il y a une petite voisine, une vieille dame, qui va enquêter, qui va poser plein de questions au professeur, enfin, un truc hyper improbable, et avec beaucoup d'humour, mais un humour qui ne convenait pas du tout aux situations qu'on retrouve dans le livre parce qu'on parle de sujets très durs. Et je trouve que ça ne collait pas les deux ensemble et j'étais très déçue par cette lecture. Quand saignent les louves, il y en a eu d'autres, hein, évidemment. Je pense pas qu'on va rester 3 heures à parler de déception parce que c'est un peu pénible quand même. Mais là, je voulais quand même en montrer une. Alors, on va passer à un nouvel auteur préféré. J'en ai trois. J'ai trois nouveaux auteurs préférés. Cette année. Ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait trois auteurs qui m'avaient bien marqué. Le premier, c'est Christian White. Parce que oui, j'ai lu Le Mystère Samhain de Christian White. Christian White, quoi. Christian Blanc. Voilà. J'ai lu ce livre et c'est vrai que j'avais enchaîné pas mal de thrillers. Et j'étais jamais surprise et je râlais toujours la même chose. Et j'ai été vraiment surprise par cette lecture, justement, avec des chouettes retournements de situation. C'était bien fait, c'était bien construit. Oui, vraiment, ça m'avait bien plu. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais un autre livre de l'auteur qui était L'épouse et la veuve, que j'ai aussi bien aimé, bien construit, bien fait, etc. Et du coup, bah, c'est deux livres du même auteur, donc on peut dire que c'est un nouvel auteur préféré. Préféré, peut-être pas dans mon top 10, on va pas exagérer, mais en tout cas, un auteur que j'ai préféré cette année. Et j'ai hâte de lire son prochain, je pense qu'il est sorti ou qu'il va sortir en VO, et donc j'ai vraiment hâte de lire son prochain.
Un autre auteur que j'ai découvert cette année, c'est Arthur Schlitzler, un auteur autrichien que j'avais très envie de lire déjà fin d'année passée et je me suis lancée cette année. J'ai lu Thérèse, que j'ai beaucoup apprécié. Je sais même plus si je l'ai lu cette année ou l'année dernière, Thérèse, je sais plus. Et j'ai lu Mademoiselle Else, que j'ai bien apprécié également. Et donc, j'ai très envie d'en lire d'autres. Donc, c'est une très chouette découverte. Et alors, évidemment. Ben vous savez quoi, je vais le dire plutôt dans les romans que j'ai préférés cette année, parce que sinon il n'y a plus aucune surprise. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Je pense que vous auriez pu faire cette liste à ma place. J'ai rajouté une question. 100% les chroniques du hérisson, parce que j'ai rajouté les livres avec les scènes les plus glauques. Ouais, j'aime bien, c'est trop bien. J'avais envie de rajouter les livres avec les scènes les plus glauques. Parmi les livres avec les scènes les plus glauques, il y a bien évidemment Sans retour, de Tom Clearly. En plus, c'est un livre qui m'a apporté des frissons parce que je me souviens que j'étais dans le bus quand j'ai lu ce livre et qu'il y a eu un problème, un homme armé qui était rentré dans le bus, le chauffeur a prévenu la police, oui, il y a un homme armé dans le bus, toute une histoire, les flics sont rentrés, tout ça, et moi j'étais en train de lire ça, quoi. J'étais là, ok, je suis dans le bus qui est censé avancer, qui est censé me faire rentrer chez moi, et j'entends qu'il y a un gars qui est armé dans mon bus alors qu'on est trois paumés, trois pelés dans le bus, et surtout je suis en train de lire Sans retour, quoi, donc si j'avais peur que ce soit un petit peu prémonitoire. Heureusement, ça n'était pas première histoire, ça s'est arrangé vite cette histoire. Mais en tout cas, il m'a bien marqué ce livre, non seulement pour cette anecdote, mais aussi parce que c'était très sombre, c'était très glauque. J'ai beaucoup aimé la construction de ce récit en trois parties, on va dire, avec notamment cette histoire, hein, tous ces gens qui vont passer des vacances ensemble dans un grand chalet, un truc de riche, enfin voilà, avec piscine et tout le bazar. Mais il y a une tempête de neige et donc il n'y a plus de. On ne sait plus communiquer avec eux et il va se passer évidemment des choses et il y a des choses ultra glauque qu'on peut un peu deviner, mais c'est pas très grave, hein. Mais effectivement il y a des trucs bien dégueux dans cette lecture. Je crois que Thomas Clearly il s'est lâché là-dedans avec des trucs bien dégueux. Évidemment, qui dit trucs bien dégueux, bah dit les chefs-d'œuvre de Junji Ito. J'ai acheté le deuxième tome, mon compagnon vient de le finir, il me semble, moi je l'ai pas encore lu. J'attends d'être dans le bon mood pour lire cette lecture, je crois que ce sera pendant les vacances, je sais pas. On va voir. Mais là, effectivement, ça, si on veut du dégueu et du glauque, ah, voilà, c'est plutôt du dégueulasse, plus que du glauque. Les scènes les plus trash, c'est aussi dans Junji Ito. Et alors, il y a le livre Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, qui est un livre d'autofiction absolument dégueulasse. Certaines violences subies ne s'écrivent qu'avec du sang, dit Chloé Delo, mais c'est vraiment ça. C'est trashouille, quoi. Enfin, c'est ostensible totalement s'abstenir. D'ailleurs, c'est pas écrit, hein, insensible s'abstenir, mais c'est vraiment, vraiment bien, bien crado. Et c'est de l'autofiction, et il y a ce côté très malsain de lire de l'autofiction aussi noire, c'est un peu. C'est perturbant. Voilà pour les livres les plus dégoûtants que j'ai lus cette année. Un livre qui m'a fait pleurer. Je n'ai pas de cœur, vous le savez, je ne pleure pas. Si, je pleure parfois, mais c'est très très rare. Il y a notamment un des deux livres que j'ai préféré cette année qui m'a fait pleurer, mais donc voilà, c'est plutôt dans les livres préférés. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que j'ai bien pleuré dans Ma Belle de Camille Ansaume. J'ai versé quelques petites larmes. Sinon, j'arrive pas trop à dire le livre qui m'a fait pleurer cette année. Moi, je pleure plus dans les films. Dans les films, je suis une madeleine. Je pleure tout le temps, du début à la fin, que ce soit drôle, que ce soit toutes les émotions. Mais dans les livres, c'est plus dur pour moi de me faire pleurer. Et quand je pleure, ben voilà, dans Harry Potter, forcément, je pleure. Qui m'a fait pleurer, à part éventuellement Ma Belle de Camille Ansaume ou un des livres que je citerai un peu plus tard. Il y a très peu de livres qui m'ont fait pleurer cette année. Et alors, le livre qui m'a rendue heureuse, je sais pas en fait, parce que à partir du moment où je lis, moi je suis heureuse, donc voilà, c'est beau, hein. On va passer aux questions. Qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois et les envies de lecture pour la suite de l'année? J'ai mixé des questions qui existaient déjà pour que ce soit pas trop long. Donc qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois au niveau des lectures? Bah j'espère juste prendre mon pied, quoi. J'ai envie que les 6 prochains mois soient tellement bons au niveau des lectures que tout ce que j'ai pu dire de positif ici soit annulé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je garde évidemment les bonnes lectures que j'ai eues, mais j'ai envie que les lectures des mois prochains soient encore meilleures que celles que j'ai pu lire. J'ai envie d'avancer dans mon parcours victorien. La fille a beaucoup d'optimisme et de joie en elle pour ce parcours victorien, mais
je n'y arriverai pas, mais j'ai envie quand même de lire encore quelques livres victoriens pour cette fin d'année. J'ai envie de pas me prendre la tête si j'ai une panne de lecture, et bien tant pis, de me laisser faire cette panne de lecture sans me forcer. Voilà, c'est très personnel et auto-centré comme question. Et alors, les envies de lecture pour la suite de l'année, bah, rien de spécial, à part, comme je vous l'ai dit, les parcours victoriens. J'ai encore envie de lire du thriller, j'ai envie de lire tous les genres que j'aime, c'est-à-dire bah, tous les genres, en fait. Hein. Et j'ai envie éventuellement de me lancer dans quelque chose d'un peu historique, parce que j'ai toujours, je rejette toujours les romans un peu historiques, parce que je suis nulle en histoire. Et dès qu'il y a une date, j'ai de l'urticaire, mais j'ai envie quand même de tenter, parce qu'il y a des très belles histoires historiques. Voilà. Alors, combien de livres lus depuis le début de l'année? Je vais prendre Livre Addict parce que, évidemment, je ne sais pas. Écoutez, j'ai lu 67 livres depuis le début de l'année et je compte avec les mangas. Hein, bien sûr, je compte les mangas, j'en ai lu 15 parmi les 67. Mais je trouve que c'est quand même un plutôt bon bilan. Il y a eu des très bons mois de lecture où j'ai enchaîné les lectures, notamment un mois où j'avais lu que du thriller. J'ai lu quand même beaucoup, je ferai le bilan fin d'année, mais j'ai lu quand même beaucoup de thrillers et policiers, du contemporain, hein. Principalement, j'ai lu pas mal de classiques. Je suis plutôt satisfaite de ce bilan. Le chiffre ne veut rien dire, évidemment, hein. Évidemment, mais voilà, je voulais quand même le signaler que je suis plutôt satisfaite de ce bilan. Voilà. On arrive à le livre que tu viens de finir. Ça date un petit peu, hein. Parce que je suis une grosse panne de lecture. Je crois que le dernier livre que j'ai lu, c'est Les Attracteurs de Rose Street de Lucius Shepard. Le livre que je suis en train de lire et que celui que tu liras après, ben, c'est la même réponse. Je suis en train de lire 3 livres à la fois. Je sors petit à petit d'une panne de lecture. Je suis en train de lire Summit de Momalo, Vespertine de Margaret Rogerson et Svastika de Tanizaki, avec lesquels je passe tous les 3 un très bon moment. Pour autant que je puisse les lire, voilà, que je sorte de cette panne de lecture, mais quand je ne suis pas en mode panne de lecture, je passe un bon moment avec ces lectures. La maison d'édition préférée de ces 6 premiers mois de l'année, et alors là, c'était facile. Je pense que c'est évident, hein. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. J'ai craqué complètement sur Le Bélial, Une Heure Lumière, cette collection qui m'enchante parce qu'elle me fait découvrir un univers que je... un style de lecture que j'ai pas trop l'habitude de lire. Souvent de la science-fiction, parfois un peu de fantastique, des univers très étranges, très originaux, des choses très originales, donc qui me plaisent beaucoup pour le moment, et je crois que je vais encore craquer sur cette collection prochainement. En septembre, quand j'aurai le droit d'acheter encore plein de livres, voilà. Et alors on va passer... Il y a une question qui était à propos des sorties qui nous intéresse. Écoutez, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai regardé, hein, j'ai regardé un petit peu, effectivement, les livres qui allaient sortir prochainement, ces prochains mois, mais il n'y a vraiment rien. Pour le moment, je suis un peu dans un mood très chouette, ceci dit, qui est, j'ai envie de me satisfaire des livres cachés chez moi. Je me dis, profitons-en, je ne vais pas trop regarder ce qui va sortir, parce que justement, j'ai pas envie de me tenter à acheter des livres alors que j'en ai un milliard à la maison qui m'attendent. Donc pour le moment, je suis dans ce mood-là, donc j'ai pas trop de réponses à cette question. Et de toute façon, il y a aucun de mes auteurs préférés qui sort un livre prochainement, donc je ne sais pas répondre à cette question. Désolée. Et pour répondre à la question, quelles sont mes meilleures lectures de l'année pour ces 6 premiers mois? Écoutez, je n'ai pas réussi à en choisir 3. J'en ai choisi que 2. Bon, une fois que c'est dans ce sens-là, que j'en choisis pas 10 au lieu de 3. J'en ai choisi que 2. J'arrivais pas à en mettre un qui allait au niveau de mes 2 lectures préférées. Je trouve que j'ai eu des bonnes lectures, hein, oui, mais rien qui soit au top du top, aussi bon que les 2 que je vais vous présenter maintenant, que vous connaissez. Il y a Les Ailes Collées de Sophie Debar, une claque, extraordinaire lecture, sublime, magnifique, histoire d'amour somptueuse, splendide, c'était cruel et c'était magnifique. J'ai pleuré du coup avec cette lecture. De nouveau, Sophie Debar m'a subjuguée. Une plume absolument splendide. Il me reste encore quelques images de cette lecture vraiment magnifique. Je vous conseille de toute façon 1000 fois Sophie Debar, Les Ailes Collées, Nos corps, Les Corps Conjugaux. Et il y a encore La Dérobée que je dois découvrir, moi, que j'ai pas encore lue. Et évidemment, mais vous posez la question, mais non, La Recluse de Wildfell Hall. Voilà. Extraordinaire lecture pour le parcours victorien, extraordinaire lecture, magistrale, moderne aussi sur certains points. On parle quand même d'une autrice qui est née en 1820 et certains côtés très engagés de cette lecture, certaines réflexions qui sont très actuelles, qui sont très féministes et je suis...
J'ai adoré cette lecture pour plein de raisons que je vous laisse évidemment découvrir en le lisant. Et sinon, j'en ai parlé dans un point lecture sur les nationalités notamment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait fort plaisir de répondre à ces questions, même si la moitié je ne savais pas y répondre, mais c'est pas grave. La prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, a priori, ce sera, je crois, les recommandations de l'été. Enfin, je vais essayer, ou alors un petit vlog, je sais pas trop. Je suis pas encore sûre au niveau du thème de la prochaine vidéo. Je vais essayer les recommandations lecture, ou alors un vlog, ou ce sera l'un ou l'autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.